A l'occasion d'une journée chaîne verte à Bayreuth en Bavière, le distributeur allemand de Samasz, Saphir Maschinenbau, a présenté les derniers matériels de récolte des fourrages du constructeur polonais, parmi lesquels aussi quelques nouveautés d'Agritechnica. Malgré une pousse d'herbe malheureusement limitée et un sol pourtant relativement humide, des faucheuses, faneuses, endaineurs et broyeurs ont néanmoins pu être présentés à l'œuvre. Sur cette faucheuse arrière Samba 280, de 2,8 mètres de large et pesant 550 kg, est intégré le lamier Light Cut, déjà utilisé sur les modèles alpins. En dehors de la chaîne cinématique, les modules de disque de fauche sont également protégés contre les surcharges. Le système Safe Gear, monté de série chez Samasz, dispose d'une clavette comme point de rupture qui peut être remplacée au besoin dans le champ. Des patins vissés protègent l'ensemble du lamier en partie inférieure. Samasz propose cette combinaison arrière KDD 912 de 9,10 m de large relookée, et ce avec une hydraulique lawn setting et un pilotage isobus. Ici en action avec une faucheuse frontale KDF 3015. La faucheuse papillon est munie d'un conditionneur à dents et d'un groupeur d'andins. L'intensité de conditionnement est ajustable via ce levier coudé et par une transmission à deux régimes. Une sécurité hydraulique contre les chocs est aussi intégrée. Les lamiers présentent une amplitude d'effacement de 24 degrés vers l'arrière et de 35 cm vers le haut. Avec l'endaineur à tapis MRG2900 pesant 5,5 tonnes, Samasz investit un tout nouveau segment de marché. Cet outil dépose le fourrage selon un total de 6 variantes. Les deux pick-up avec guidage des dents par chemin de cam affichent chacun une largeur de 3,10 m et sont équipés d'un rouleau tassandin suspendu. En dessous se trouvent des plaques et galets de glissement. Ainsi, Samasz dispose désormais de 3 types d'endaineurs dans son offre. Outre cet endaineur à tapis, il propose des endaineurs à rotor classiques tels que cet appareil à des postes centrales Z2780 avec châssis à 6 roues et toile d'endainage centrale. La gamme de produits Samasz compte également des endaineurs soleil, entraînés hydrauliquement. Voici le modèle Twist 600P, pesant 770 kg et d'une largeur de travail de 6 mètres, attelé à l'avant pour travailler les parcelles. Cet appareil est capable de former des endains réguliers d'environ 1,3 m de large. Chaque côté présente 5 barres porte-dents conçues comme un rabatteur de moissonneuse-batteuse. Les 18 dents par barre poussent le fourrage non pas sur le sol, mais le soulèvent légèrement grâce à leur forme coudée. En option figure un rouleau d'endainage, pertinent avant tout en présence d'un grand volume de fourrage. La faneuse P10 1100T à 10 rotors d'1,50 m de diamètre et travaillant sur 11 m de large est inédite. Cette machine peut être employée avec des tracteurs dès 50 chevaux. Des joints de cardan et des accouplements à doigts assurent le transfert de puissance, tandis qu'une transmission sans entretien et hermétiquement fermée devrait garantir une longue durée de vie. La machine offre un mécanisme d'abaissement à 2 niveaux, censé éviter le piquage des dents dans la couche herbeuse en fourrière. De plus, l'angle de projection est réglable sans outil entre 15 et 19 degrés à l'aide d'un levier. Les roues des rotors peuvent elles aussi être ajustées selon 3 positions de travail. Une toile optionnelle peut être montée pour le fanage en bordure.